Un nouvel étage, un nouvel endroit pour faire bronzette. Moi, c'est du. On est tout en haut. La dernière fois que je vous ai filmé, on était là, sur ce balcon-là. Et en fait, ici, il y a différents ascenseurs. Et selon l'ascenseur, vous avez plus d'étages. Il va jusqu'au 6e étage. Et les deux autres qui sont près du restaurant, de l'hôtel, ils vont jusqu'au 8e étage. C'est génial ici, on peut bronzer. Testez ça, il y a plein de petits jeux. Vous avez une salle de sport aussi, je crois. Et là, vous avez les prix. Un petit terrain de golf. C'est le début de notre deuxième semaine de vacances. Donc, on va aller à un centre d'équitation, je crois. Alors là, on peut faire des balades à cheval à 10 minutes de l'hôtel. Et ça coûte 22 € par personne. Après, je ne sais pas si c'est pour une heure ou plus, mais je vous dirai une fois arrivé là-bas. Je sais pas comment ça se passe sans avoir ça. Bon, finalement aujourd'hui c'est pas possible parce qu'en fait l'hôtel avait appelé déjà pour se renseigner par rapport aux tarifs et s'il parlait anglais, et il avait dit qu'on pouvait soit réserver soit venir directement, mais aujourd'hui les personnes qui s'occupent de l'endroit ont des choses prévues. Donc on va aller faire du tennis près de la maison, je pense. Et on revient demain à 15 h pour faire la petite balade à cheval. Et une bouteille d'eau avant de jouer au tennis. Oh.
Oh, c'est quoi ça? C'est trop beau. On est revenu au ranch pour faire du cheval. C'est bon. On rigolait. Il y a des ânes aussi. Ah, c'est sûr que tu te prends un coup de sabot. Sur le cheval. Ça te donne de la nourriture, tu veux pas te manger tout à l'heure. Tu veux petite Charlotte avec le Covid pour éviter de transmettre les microbes, je pense. Et on peut enlever le masque pour faire du cheval. On dirait qu'il est ici. Ouais, il a trop marché, c'est pour ça. Alors finalement, pour une heure de balade, on a payé que 20 euros par personne. Donc à nous deux, ça nous a fait 40 euros. Et on s'est baladé dans les petits chemins près du ranch. Donc c'est des petites ruelles en sable. Et voilà, c'était bien, franchement c'était cool. Les chevaux, il a un cheval et nous on a chacun notre cheval, et du coup il faut juste le suivre. Parce que moi au départ je pensais qu'il allait nous suivre à pied en tenant les chevaux, mais en fait non, c'est une balade classique avec 3 chevaux en tout. Et il y avait 2 petits chiens aussi qui nous guidaient, c'était sympa. Dans un centre commercial, je crois. Ça s'appelle la Gran Jonquera, je sais pas comment on dit. Et c'est près de la frontière française. Donc là, on est à côté de la frontière qui sépare l'Espagne de la France. Commercial, Lily, il est ici, il est énorme. On dirait un peu à Évry 2. Mais niveau superficie, je suis pas sûre. Je pense qu'il est quand même plus grand que Évry 2. Mais vous avez plein de magasins ouverts. Ici, ils ont la Tour Eiffel aussi. C'est énorme. Regardez-moi ça. La taille des bouteilles, s'il vous plaît. Ici, ça blague pas. Hein. Des grosses bouteilles de ouf. Devinez quoi? On vient de découvrir que l'usine Inditex était juste à 10 minutes de notre hôtel. Donc, pour ceux qui savent pas, l'usine Inditex, c'est le groupe qui détient Bershka, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, toutes ces
tous ces magasins-là. Et c'est à 10 minutes de notre hôtel. Là, on est rentré à l'hôtel pour dîner et après on va aller au spa à 22h. Que le monsieur de la réception nous a gentiment offert une heure de spa en plus. Donc après manger, on va y aller. On va récupérer les clés pour le spa parce qu'il faut demander une clé pour pouvoir entrer dans les vestiaires et ensuite on entre dans le spa. C'est chaud. On a le spa rien que pour tous les deux. Je ne sais pas si vous m'entendez avec l'eau. J'ai des sujets pour masser le dos. Aujourd'hui c'est journée à Barcelone, donc on va découvrir les alentours à pied. On s'est garé dans un parking et on va faire le tour de Barcelone. Non, pas plus. Là on va découvrir une boutique Harry Potter qui se trouve à Barcelone. On est en train de chercher une par là-bas. Apparemment c'est dedans. On va aller voir. Une sorte de galerie marchande. Il me semble que c'est dedans. C'est marrant ici, un magasin de coques, c'est marrant. Des pâtes qu'on n'a pas chez nous, hein. Là vous avez os. Ici c'est une grande galerie avec plusieurs trucs, plusieurs chemins. Là on est à Neverland. Il y a plein d'univers différents, c'est trop bien ici. Donc c'est Carrero Maldago normalement. Super sympa. Vous devriez venir ici aussi. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos de toute façon. On a trouvé le petit spot Harry Potter. Regardez, il y a le petit Poudlard Express qui passe. Vous avez même des figurines ici. On vient de rentrer dans une boutique Disney. Enfin, Disney, je sais pas trop ce que c'est comme boutique. Mais dedans, vous avez des pops. Des pops énormes, vraiment pas chers, en dessous de 100€. Et je pense qu'on va revenir ici pour acheter des figurines Disney à pas cher quoi. C'est pas les pops, hein, c'est les vraies figurines qui se cassent. Disney Traditions et Nesco. Et ça coûte vraiment pas cher ici, comparé en France. KitKat ici. Je crois qu'on est devant la Sagrada Familia. Je suis pas très sûre. Il me semble que c'est ça. En fait,
fait, je me suis trompée, c'est pas la Sagrada Familia, c'est juste une cathédrale. C'est la cathédrale de Barcelone. Donc je pense que Sagrada Familia, c'est pas ici. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai ultra chaud avec le masque, c'est encore pire. Là, je sais pas combien de degrés. En plus du masque, j'ai chaud sur le nez, là. J'espère que ça se voit pas trop. On est venu au restaurant là dont je vous ai parlé. On va rentrer dedans. Je vais afficher dehors s'il vous plaît. J'ai pris une boisson qui s'appelle Calypsis Soda, je crois. Franchement, c'est beau. On dirait du 7-Up Sprite. Et c'est tout blanc. J'aime bien. On attend les plats maintenant. Le plat que j'ai pris, ça s'appelle le Spicy Ebi Kushi. Là, c'est hyper chaud. J'espère que je ne vais pas me brûler. Un ramen qui est piquant. Donc après, je sais pas si vous aimez ce qui est piquant ou pas, mais là, il est très bon. Un gros bol comme ça, ça coûte, celui-ci, je crois, il coûte 12,50€. C'est très bon. Chaud, mais bon. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est du poulet frit. Vous avez les ramen au fond, là. Un morceau d'algue et là-bas vous avez les crevettes et un œuf. Regardez comment c'est beau en bas, là où il y a une salle en dessous en fait. C'est vraiment des énormes bols. C'est vraiment des énormes bols qui nous servent. Du coup, on est bien bien calé. Et franchement, c'est un endroit sympa à faire. De toute façon, toutes les adresses, je vous les mets en barre d'infos pour que vous puissiez, si jamais vous allez sur Barcelone, pour que vous puissiez tester les restaurants et les endroits où on était. Voilà. Et en tout. Pour deux bols de ramen plus trois boissons, ça nous a coûté 31€ 20. Voilà. On est devant une grande tour là, je sais pas ce que c'est. C'est pas une tour, mais on aurait dit une cathédrale encore. On va voir ce que c'est. C'est une église, ça. Iglesia Parroquial de Santa Maria. C'est énorme. Ici, vous avez le musée Picasso. Et il me semble qu'il faut payer 7€ par personne et réserver 2 heures à l'avance. Et le jeudi, c'est gratuit l'après-midi, je crois. Là, on est au Mural del Beso. Bon, c'est pas très loin du restaurant où on était. Et on va faire une photo en amoureux. Place. Je sais pas où est-ce qu'on est. Et c'est très beau. On peut aller dans un café avec la thématique d'Harry Potter aussi. Quand on était à la boutique d'Harry Potter, ça nous mettait 27 minutes de marche. Et là, on a fait presque une heure. C'est trop loin. On n'en peut plus.
parce que entre temps on est allé déjeuner dans le restaurant asiatique là. Et quand on voulait retourner au café pudding diagonal, et ben ça nous fait 53 minutes de marche. On va bien savourer une fois arrivé là-bas. Après une heure de marche, on est enfin là. Ça fait du bien. Velvet cake pour deux. Je me suis pris un Virgin Mojito et monsieur a pris un Diabolo fraise et une bière Harry Potter, là, je sais plus comment ça s'appelle. Une bière au beurre. Une bière au beurre. Voilà. C'est la première fois que je bois de la bière au beurre et que je mange un velvet cake. Et franchement, c'est pas mauvais. J'aime bien. Et par contre, mon mojito, il était bon, mais il est un peu trop sucré. Sinon, franchement, le décor, il est trop mignon. Et on a payé 3 boissons plus la part de gâteau. Ça nous a fait 16,90€. Donc, vu qu'on est en mode vacances, on en profite pour tester plusieurs trucs. Mais franchement, c'était sympa. Là, on a encore 47 minutes de marche pour aller à la voiture et retourner à l'hôtel. Et comme par hasard, il commence à pleuvoir. Donc j'espère qu'on va pas se prendre une grosse averse. Parce que sinon, on va choper un rhume. C'est pas très cool là. Tout à l'heure, il faisait chaud comme pas possible. Et là, comme par hasard, quand on doit rentrer, il commence à pleuvoir. Castel, juste à côté de l'hôtel. C'est à 6 minutes en voiture et 23 minutes à pied. Là, on est vraiment en hauteur. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a la mer juste derrière. Ici, j'ai l'impression. C'est un tout petit parc. C'est bien pour découvrir les environs. D'après ce qu'on a vu, c'est une ancienne fortification médiévale. Et je crois qu'elle a servi pendant la guerre civile. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, ça, c'est le nom de cette tour que le parc a pris. Et d'ici, on voit tout. Vous avez une vue globale de la ville. Vu qu'on est en hauteur, on voit la mer, on voit toutes les habitations en dessous. C'est assez sympa. Vu la chaleur qu'il fait, on va se manger une glace et aller à la plage faire bronzette. C'est notre avant-dernier jour. Demain, on part. On doit rendre la chambre à 10h. Du coup, aujourd'hui, on se détend un peu avant de reprendre la route. On notre glace ici. Je vais prendre cette glace-là à la licorne, je crois. Alors, on s'est pris deux maxi-cônes. Donc, moi, j'ai là de ce côté-là de la glace au nougat, je crois. Citron et unicorne, et ça nous a coûté 5€ les deux gros cônes comme ça. Il
Ah, l'eau, elle est bonne, hein. On dit adieu à la chambre, hein. Tournée en France, on va essayer ce resto. On va bruncher ici. Des gros brunch cette fois-ci de pancakes, des boissons là, pancakes passion et pancakes à la banane. Bon, on a bien mangé là, nos vacances sont officiellement terminées, on va retourner en France, c'est triste, moi je voulais rester ici. Mais bon, on peut pas rester. Du coup, on a pris notre troisième pancake. C'était quoi pancake ? Hein ? Bénédicte. Ah oui, le pancake aux œufs bénédicte, on l'a pris à emporter. Comme ça, on le mangera chez nous. Ça nous fera un petit souvenir de Barcelone. Et du coup, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais un vlog en voyage, donc c'est peut-être un peu brouillon, désolée pour ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.